Donc, juste que vous avez sur le portail. On dit bureau ivoirien du droit d'auteur. Regardez bien ça. Le bureau ivoirien du droit d'auteur. Un artiste de ma trempe, DJ Lewis. De ma trempe. De vous et moi. De vous à moi, pardonnez. De vous à moi. Combien est-ce que je peux avoir eu à toucher ici? En 10 ans de carrière. Je ne suis jamais rentré au tribunal pour aller demander mes droits. Passage ici un jour, dans l'embouchure, je garde ma voiture. Regardez, regardez, ça c'est les gens qui ont un bidon. Ils ont un pick-up spécialement que pour ramasser les appareils des gens en Côte d'Ivoire ici. J'avais une boîte de nuit qu'ils ont fermée. Sous prétexte que. Ouais. Nous sommes mal vivre. Ouais. Et à Debordo a fait son accident. Il n'a même pas vu un cadre du bureau aller dire Yako. Si tu rentres dans le bureau, tu vois le nombre de caméras, le nombre de splits, le nombre de climatiseurs qu'il y a à l'intérieur. C'est ahurissant. Je suis déçu. Il y a des artistes qui prennent 15 000 francs CFA pour, comme droit d'auteur. Charlie Watta est mort avant-hier. Et j'ai appris dans les coulisses qu'il y avait un manque de moyens. Almighty est mort il y a quelques temps. Comment il s'appelle le père? Johnny Lafleur. Combien d'artistes sont morts en Côte d'Ivoire qui meurent chaque jour? Burda, vous avez affaire à moi. Vous m'avez demandé. Mais quand on change la peinture de Burda, ça fait 16 millions. Quand on change les carreaux, ça fait 28 millions. Ouais. Quand on fait un cocktail de presse qui ne sert rien à la culture ivoirienne, ça fait 63 millions. Ouais. Pendant que l'artiste meurt, l'artiste n'arrive pas à vivre de son art. De son art. Voilà. Pendant qu'on tresse des tapis rouges pour les artistes qui viennent d'ailleurs, parce que là-bas, le système a été arrangé. Ici, le système est pourri, nous empêche de vivre. Voilà. Mais il ne peut pas nous décourager dans notre marche. Mais tu sais quoi? Vous savez quoi? Je pense qu'il y a une personne très puissante dans ce pays qui est le père de la nation. Le président de la République est la seule personne qui peut régler ça en éclatement de doigts. J'ai confiance à ce monsieur parce que moi je parle dans la politique, hein, je ne parle jamais politique, mais je parle toujours de celui à qui j'ai affaire. Celui à qui j'ai affaire, c'est celui qui gère le pays en ce moment. Je sais que ce monsieur-là, il est puissant à la centre Draman. Alassane Draman Ouattara, il est puissant, il est dangereux. Son excellence Alassane Ouattara est capable de gérer ça. C'est un artiste, regarde ce qu'il a fait en si peu de temps. Ouais. Il a comment il a façonné la Côte d'Ivoire. C'est un artiste. C'est un artiste. Père, nous souffrons. Le vieux. Par la mauvaise le vieux. Foi. Le vieux. Je sais qu'il se nous dit. Excuse-moi, hein. Je demande pardon à tout ton protocole. C'est pas dans mes habitudes. Je parle à ma faveur, je parle à la faveur des artistes. Ce système que tu vois derrière nous là nous assassine. J'ai appris quand tu as pris le pouvoir que tu as donné des millions de dollars de francs CFA aux artistes de Côte d'Ivoire. Et moi, je ne dirai pas encore le montant qu'ils m'ont donné. Je reste en suspense. J'ai mal au cœur. Maxime, c'est le discours.